Un peu trop. Fraîche de verdure, ce que nous produit la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Youpi! Il y a du sang? C'est là. Ici. Ah, c'est vraiment après celui-là. Ouais, c'est après. Le deuxième. On n'a plus de façade. Non, ça n'a pas grillé, je peux pas te dire, il n'y a plus de façade. C'est ma première fois que je fais le concert, moi je suis très content. Donc, j'espère que je vais réussir en plus. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ça fait longtemps que tu fais de la batterie? Là, ça fait ma deuxième année maintenant. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. La bonne nouvelle, c'est que tu arrives maintenant. Mais en retour, je parle, hein. En retour. C'est les retours que je parle, moi. Il n'y a aucun retour, là. Il y a la baffe, la marche pas, il y a la crachée de comme un... D'accord. T'es une championne. Ah, c'est pas trop dire. On est cool, là. T'es venu voir qui? Un ami à moi, Atamaï. Il fait quoi comme instrument? De la guitare, et du chant. Super. Il est fort, il est bien. Oui. Ouais, t'aimes bien? J'avoue, j'en ai vécu par vous, mon amour. Eh ben. Avant d'avoir eu vent de vous. Prénom. Moi. Ouais. Bah moi c'est Louis. Moi c'est Tom. Et moi c'est. Ok. Ça fait. Enfin vous jouez quoi comme instrument chacun? Batterie, basse, piano. Et ça fait combien de temps? 10 ans. Bon. Deux pour moi et deux pour moi aussi. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans l'école de musique? Un an. Maintenant. Ben deux. Non, ça croit mieux. Et vous trouvez qu'elle est comment l'école de musique, enfin l'ambiance, tout ça qu'il y a entre vous? Ben on suit le niveau. Tu vois nous trois. Non, déconne. Tous les samedis c'est comme ça. Genre tous les samedis on est là, on s'éclate, c'est cool, on se retrouve entre nous, on joue. Tu t'appelles comment? Yannis Cheblanc. Comment? Yannis Cheblanc. D'accord. Ça fait combien de temps que tu joues ton instrument? Tu joues du piano? C'est ma cinquième année que je fais du piano. Ouais. Là, c'est ma première ici, sinon. D'accord. Et ça te... Tu te sens comment, là, par rapport au concert? Bah, ça va. Thank you.
T'es impatiente pour ce soir? Oui. Toi, c'est bon, tu rejoues. T'as pas peur? Non. Tu veux jouer? Si, quand même. Allez, excusez-moi. Vous êtes contente d'être sur scène, les filles? Oui. Vous stressez? Non. Non, non. Deling stresse un peu quand même. Est-ce que t'es stressé? Tu te sens stressé? Un petit peu. Non, mais ça va aller. T'as pas un anxiolytique, quelque chose? Du Xanax. Et toi, t'es stressé? T'es pas stressé? C'est pire. Ouais, ça va, c'est cool. On peut pas faire ça. Ben voilà, t'as répondu. Ok. Alors, en 3 minutes, déjà un vide, on va commencer à faire revenir les... Ouais, on fait revenir les transitions. 3 minutes. Et la chorale, peut-être? Non, la chorale, c'est les deux qui vont la chercher. Ok. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît, c'est le discours de début de concert. Profitez. Bien vol. Vous êtes tous des excellents musiciens, ne l'oubliez jamais. Faites le mieux possible. Nous, on a fait notre travail, à vous de faire le vôtre aujourd'hui. S'il y a un échec, vous inquiétez pas, je vous en voudrais en aucun cas, parce que vous restez des élèves. Le jour où vous serez pro, vous m'inviterez à votre concert, et là, je vous dirai si vous avez fait une erreur, et je vous dirai, vous pourrez quand même faire mieux. Pour l'instant, vous êtes apprentis. D'ici 5-6 ans, imaginez le niveau que vous aurez tous. Imaginez tous les groupes que vous allez monter, et imaginez toute la culture que vous allez porter dans l'endroit où vous habitez, à vos enfants plus tard, et tout ça. Ça commence ce soir, pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ont déjà joué, vous savez ce que c'est. Les visas, des stress. Nous fait pas une Parkinson. Ok. Ok, n'oubliez pas la chorale à la fin. On souhaite le joyeux anniversaire à notre collègue Elisa, ok? C'est bon, c'est bon. Ok. S'il vous plaît, 2 minutes. Attention, deuxième chose, un peu moins cool. Après, je te laisse la parole, mon cœur. Quand on est sur scène ou derrière cette porte, on va appeler cette porte le purgatoire. Quand vous êtes dans le purgatoire, plus un mot, plus rien, jamais, plus jamais. Vous attendez patiemment de monter sur scène. Le stress sera déjà présent en vous. Gérez votre stress. Quand vous êtes devant vos instruments, restez dans votre bulle. Et tout va merveilleusement bien se passer. Tous, sans exception. Je vous demande d'être toujours à côté d'Adeline. Vous êtes toujours tout le temps. Parce que je vous ferai passer... Non mais vous restez au purgatoire, de toute façon. Vous restez tout le temps. Parce que je vous ferai passer les uns après les autres et à tour de rôle et vous allez passer plusieurs fois dans le concert. Vous restez toujours là. Si vous n'êtes pas là, vous passez pas en concert, on n'ira pas vous chercher, on n'aura pas le temps. Je prendrai la transition qui vient le plus vite. Ouais, c'est pas moi, mais... On n'aura pas le temps. Ensuite, Brice, tu te prépares, t'es le premier à jouer après la chorale, donc t'es déjà là aussi. Et ensuite, vous avez tous des programmes, si vous voulez, si vous avez pas le programme. Vous demandez à Joris et à Adeline, ils l'ont. Comme ça, vous voyez quand est-ce que vous chantez, vous êtes présents, d'accord? On n'aura pas le temps d'aller vous chercher dans les loges. Je demande une dernière chose, respectez Joris et Adeline, s'il vous plaît. C'est vos seuls espoirs de monter sur scène. Ok? Si vous cherchez Adeline et Joris, c'est que déjà, vous n'êtes pas à votre place. Ok? Et enfin, surtout, amusez-vous bien, profitez prenez bien. Prenez moi, grave. Il y en a qui ont eu que 2 mois de cours derrière eux, vous allez voir, ça va être génial. Et surtout, kiffez grave, parce qu'à la fin du concert, vous aurez tous une joie incroyable. Allez, mon concert à tous. Attention, quoi! T'es stressé? Pas trop.
1, 2, 1, 1. Ah d'accord, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Il couche, il passe au mer. 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Putain, il marche plus. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, parfait. Mais Flo, oui. Un petit mot avant de... Plein de stress. Attends-toi. Mais je crois que ça va bien le faire. Il y a beaucoup de monde, des beaux élèves, ils sont tous motivés. La jolie caméraman aussi, vous ne le voyez pas malheureusement. Et Marie qui assure vraiment en tant que chef d'orchestre. Et tous les bénévoles, tout le monde. La mairie qui nous a prêté la salle. Et j'espère que ça sera vraiment un bon concert. Je crois que c'est le concert. Pour l'instant, personne ne le sait, donc tu le sais en direct. C'est nos un an d'école, en fait. Aujourd'hui, en février, on est rentré dans nos locaux pour la première fois. Et un an plus tard, voici 135 élèves dans notre école, des partenariats partout, et des élèves ravis d'être avec nous, et nous ravis qu'ils soient avec nous. Voilà. J'espère que vous passerez un bon concert. Vous l'aurez sûrement déjà vu quand vous regarderez ça. Pédagogique et puis ludique pour les enfants. On sent vraiment de la passion. Et puis ce qui est bien, c'est de faire travailler effectivement les tout petits, même s'ils n'ont que un ou deux mois de pratique. Et ça donne des résultats absolument stupéfiants. On sent qu'ils sont en confiance, qu'ils s'amusent. Donc voilà. Je pense que le public l'a ressenti, non? C'était très joyeux. On pourra montrer cette vidéo à Brice parce que sa compo était juste incroyable. En sachant qu'il a composé jeudi dernier. C'est lui qui a démarré au tout début là, le concert. Le premier morceau, c'est, voilà, c'est ce que lui l'a écrit. Il a écrit jeudi. Ah d'accord, on dirait Julien Tiersen. Il aime pas Je crois même pas qu'il connaisse, mais franchement, c'était génial, on s'est tous éclatés, on est tous super contents. Okay. Tu pourras mettre ça dans ton film, c'est génial. La prochaine fois, tu viendras jouer avec nous. Ok, cool, cool, non, c'est ça, ça marche. Je me suis regardé avec ce concert, c'était vraiment super. Et c'était complet, c'était vivant, c'était joyeux, c'était grave, c'était vraiment très agréable. C'est vrai ? Vous avez passé un bon moment ? Oui, très bon moment. Ouais, la même chose, tout pareil. De mon opinion personnelle. Bah écoute, bonne réussite je pense. Hein, avec un petit peu de travail, de la bonne volonté de tout le monde, eh ben, on arrive à faire un petit truc sympa. Je pense que ça a bien plu à tout le monde. À remettre, on va remettre tout ça en place. J'ai adoré, hein. J'avais des frissons partout et puis c'est génial, ils ont fait un super travail. Qui continue. Qu'est-ce que vous voudriez dire à l'école de musique? Qui continue et que c'est super bien pour nos petits, ils sont ravis et c'est que du bonheur pour eux. Je suis plutôt fier de Marie, quoi. C'était très sympa. Voilà, on a passé un très très bon moment et puis ben, on voit que les enfants se sentent bien, progressent bien. Et... c'est très encourageant, il faut que ça continue.
Félicitations à tous vos élèves. On est trop fiers de vous. On vous est avez super tout contents. Vous avez vraiment bien chanté, vous avez bien joué, vous avez vous êtes l'avenir musical du Médoc. Vraiment. On est content d'être vos profs. Ah ouais. Moi, j'étais le portier, puis j'étais bien aussi. Vous nous encouragez encore à être des meilleurs profs et à gérer tout. Vraiment. Et merci pour la patience aujourd'hui pendant la répétition. C'est génial. Pas facile des fois, je sais. Et ma femme me tempère. Et voilà, et merci au caméraman, vraiment. J'espère que tu couperas pas au montage parce que t'as vraiment fait du très bon travail. Avec plaisir. À bientôt pour un prochain concert.